C'est Floyd. Si tu veux des roches, je suis prêt. T'as qu'à revenir quand tu veux. Bien reçu, monsieur la science. Il me faut quelques ingrédients de plus pour entamer la préparation. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur la cinquième vidéo de Sunset Overdrive. Ça fait du bien de faire à nouveau quelque chose. Donc, apparemment, il faut qu'il me construise du rush. Et il me manque deux ballons. Deux ballons à la con. Donc vous savez quoi, j'ai en profité pour me balader un petit peu sur la carte pour voir un petit peu... Parce que du coup de la carte j'ai pas vu grand chose, hein. J'ai toujours vu à peu près le même quartier. Je suis allé un petit peu en face là mais j'ai quasiment rien vu. Donc on va aller se balader un petit peu, comme ça je vais en profiter. Mais de toute façon il faut que je ramasse les ballons. Là j'ai vu sur ma droite il y avait du PQ, j'irai le ramasser plus tard. Bon bah pour l'instant j'avoue que c'est plutôt une bonne surprise. Hein. J'avais un peu peur de ce jeu et en fait je m'aperçois qu'il est pas si mal que ça quoi. Il est pas si mal, enfin pour l'instant. Donc là, je dois être rendu, je sais pas, pour un peu plus de 2 heures de jeu. Bon, j'imagine que 2 heures, ça va pas être grand-chose. Bon, quelqu'un m'a dit sur ma chaîne là qu'il l'avait fini en 10 heures le jeu. Donc voilà, bon, bah la durée de vie, c'est à peu près ça, de toute façon, pour ce type de jeu, je pense. Peut-être on aurait peut-être préféré un peu plus, parce que c'est vrai qu'on évolue dans un monde un peu libre. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est toujours flippant de savoir que ça peut être trop répétitif, donc si c'est pour rajouter des trucs complètement inutiles, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Mais je crois qu'il l'a fait 10 heures en mode histoire. Après je sais pas combien de temps je vais mettre moi pour le faire. Mais bon déjà je suis rendu à peu près à 2 heures et j'ai l'impression d'en être encore qu'au début. Je peux pas monter là-haut? Bon, bah écoutez, on va continuer par là. Je suis pas allé par là-bas. En plus là on dirait de... Les rails d'une espèce de monorail là. Enfin, pas mono, puisqu'il y a deux rails, donc c'est pas monorail. De métro aérien, on dira. Ah, ça a l'air assez vaste, hein, quand même. Ah, par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est que par moment, vous avez des grosses vagues d'ennemis, vous avez vraiment beaucoup de monde à l'écran, et par moment, vous n'avez pas grand monde. Hop là, il y en a un là. Vous voyez, on les voit se balader un petit peu là, les personnages ennemis. Mais il n'y en a pas tant que ça en fait quand on n'est pas dans une mission bien précise. Donc c'est peut-être parce que je suis pas trop vers le sol. Vous voyez, on en voit des simulants ça et là. Pas monter partout. Hein. Ah, faudra que je fasse un overdrive. Je récupère assez de badges. Oups là. Je savais même pas qu'on pouvait rebondir sur les panneaux solaires. En fait, en fait je crois que tout ce qui dépasse, en fait, on peut sauter dessus. Hein. Oh putain. C'est vrai, j'ai cette roulade aussi, à chaque fois j'y pense pas non plus. Par contre, la musique est quasiment toujours la même. Hein. Alors moi qui aime bien les musiques un peu punk et tout ça, bon c'est vrai que je la trouve assez sympa comme musique. Mais on a l'impression que c'est toujours la même. Donc c'est vrai que ça peut peut-être devenir saoulant au bout d'un moment. Ça a l'air bien grand quand même. Par contre du coup ouais, je vous dis ça me paraît un peu vide là du coup. Vous voyez, il n'y a quasiment personne là dans les rues. Lorsque j'ai eu des passages où vraiment c'était blindé de monde. Et là, ou alors peut-être parce que je suis pas à un endroit où j'ai pas de mission. Je sais pas, je peux pas vous dire, mais là c'est un constat quand même. Hein. C'est là il n'y a personne. Hein. Ou alors 2-3 personnages par-ci par-là, mais. Parce que même si le personnage est dynamique et qu'on bouge quand même pas mal, bon, un petit peu de remplissage, ça serait pas mal quand même.
Là, je crois que je suis au bout du truc, là. Oh putain, il y en a un là. Ouais, mais alors celui-là, pour l'avoir, par contre, ça peut être compliqué. Voire même très compliqué. Je pense que je dois pas avoir les capacités pour récupérer le truc là. On va aller voir plus loin. Et toujours cet effet de pop hein, qui arrive un petit peu en pleine gueule. Ça, je pense que malheureusement. L'éternelle rivalité entre les robots et les mutants. On n'y échappera jamais, malheureusement. Un peu comme l'aliasing. Enfin bon, il y a quand même une belle profondeur de champ quand même. D'ailleurs, j'ai hâte de voir GTA, voir ce que ça va donner un petit peu là sur la One. Et sur la PS4 aussi d'ailleurs. Parce qu'apparemment, il sera peut-être un petit peu mieux sur PS4, mais bon, je sais pas, parce que c'est vrai que Rockstar ne communique absolument pas sur la version Xbox One, vu qu'ils ont fait un partenariat avec Sony. Du coup, on n'a pas vraiment entendu parler de la version PS1. Je sais même pas si on l'a vu tourner en vidéo. Bon, ça serait pas mal que je trouve le dernier quand même, vu qu'on a fait un petit peu le... J'ai pas fait le tour de la map non plus, hein. Sinon je pense que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Et je vais pas faire que ça non plus. Pas mal ça, je peux ramasser pas mal de pognon. Mais quoi, je ramasse pas tant que ça en fait. Je pensais que je ramassais plus que ça, vous voyez, 289 $. Ça fait pas beaucoup, quand on voit tous les billets qui sortent et tout ça, on a l'impression qu'on va ramasser plus. Ah mais c'est vrai qu'il y a ces caméras aussi qu'il faut que je bousille, ça me fait des points ça aussi. Ah putain, j'essaie de le choper lui. Hop là. Ne les perds pas en route. Il a une espèce d'accent lui quand il parle. Ne les perds pas en route. Hein. Bon, allez, je vais les retrouver là-bas. C'est peut-être là où justement le jeu va être répétitif, c'est que là justement il va me construire les roches et la dernière fois, enfin la première fois, la dernière et première fois qu'il me l'a construit en fait, il m'avait dit justement qu'il y a des trucs qui étaient assez loin préparés, qu'il fallait défendre les cuves, comme j'avais fait en fait la première fois, où je défendais un lieu dit en fait avec des barrières et tout ça, pour empêcher les infectés en fait de venir, de choper les cuves de soda. Et vu qu'ils sont attirés par ça, eux ils se jettent complètement dessus. Alors s'il faut, c'est peut-être ça que je vais me taper là. Achète des roches, bon j'ai... Ouais, bien, j'ai lui parlé. Hey, t'as vu tous ces pièges à l'extérieur de la base? J'ai pas eu le temps de tous les poser. Tu peux finir le job pour moi? T'as qu'à installer quelques pièges découpe-tout autour de cette barricade. Alors... Ben voilà, défendre les cuves. Va devant la base. Merde, putain, j'aurais dû peut-être commencer par l'autre. J'ai trouvé 2-3 plans de piège. Je t'ai envoyé les plans d'un nouveau piège sur ton téléphone. Mais mes amis, où les pièges? Les pièges découpe-tout vont déposer tous les overdosés à proximité. Alors, maintien RB enfoncé pour positionner le piège. Ah, ok. Je viens de charger la planche à dégager sur ton téléphone. Ce piège va renvoyer les ennemis là d'où ils viennent. Tâche de ne pas viser la base, bien sûr. Choisis la planche à dégager et place-la. Ok. Surveille bien ta conso de puissance. Chaque pose de piège consomme un peu de puissance. Et quand t'en as plus, t'en as plus. Ok. Pour récupérer de la puissance, tu peux retirer des pièges. Surveille tes pièges, les overdosés peuvent les détruire. Il me saoule à répéter tout le temps la même chose. Si un piège est détruit, tu récupères de l'énergie. Bon bah c'est bon, je les ai posés ces pièges là. Le système d'alimentation est à son maximum. Pose le plus de pièges que tu peux.
Bah ouais, mais là j'ai que 20 points. Ces pièges devraient suffire pour ce soir, mais il va nous en falloir des meilleurs. Je suis pas ingénieur. Ah, mais si, je suis. Non. Bon, il y a peut-être d'autres survivants qui savent comment fabriquer de meilleurs pièges. Alors quand t'es en ville, renseigne-toi. Quand t'auras fini de poser les pièges, ouvre cette vanne et mate le résultat. Alors là, je comprends pas parce que j'avais 20 points sur le côté et je les ai plus. J'ai voulu reposer un piège, je n'y arrive pas. Il veut rien faire. Je vais regarder là-dedans. J'ai dû louper un truc, je sais pas ce que j'ai fait comme connerie là. Ouais, la trappe c'est 10 points et l'autre c'est. Ok, bah c'est équipé, équipé. Donc là, je peux pas faire grand chose. Mais ça en plus, parce que j'ai fait une petite partie en multi là avant de capturer là, ce qui fait que je voyais des mecs qui posaient des trucs électriques et tout ça là, il y avait des trucs qui avaient l'air relativement très très puissants. Par contre je... Ouais, bah là je ne sais pas. Bah je vous avoue, je sais pas quoi, je sais pas comment faire là. Parce que j'en ai posé deux. Ah oui, non, d'accord, j'ai... putain, mais je suis con, moi, il faut que j'aille ouvrir la vanne. Mais vous voyez, j'ai les 20 points, là. Donc, je pensais que je pouvais encore en poser un autre. Mais apparemment, je peux pas en poser plus de 2. Enfin, 2 du même, du moins. Ou peut-être que c'est une capacité que j'aurai plus tard de pouvoir en poser plusieurs. Ouais, donc c'est le même principe. En plus, je me retrouve au même endroit que tout à l'heure. Voilà, ça, je sais pas si ça va pas me lasser au bout d'un moment de faire tout le temps ça. Même si on donne des nouveaux pièges ou des nouvelles choses, je pense que ça peut vite devenir lassant. Peut-être qu'ils vont découper les machins. Vous voyez, là, il y a de la masse quand même, hein. Il y a du monde. Hein. Comparé à tout à l'heure où il y avait personne. Et là, c'est parce que peut-être justement, on est plus dans un lieu qui est renfermé, quoi. Oh la vache! Hey, ils vont franchir les barricades extérieures. Oui, bah je fais ce que je peux là, je fais ce que je peux. Ah, c'est le bordel hein. Oh le monde qu'il y a. Ne les laisse pas franchir les barricades. Continue de tourner autour de la base. Grind des rebondis partout. Oh putain. Ah, ils ont réussi à passer. En plus, faut alterner d'armes à chaque fois parce que j'ai pas forcément de balles sur toutes les armes. Oh là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Oh putain. Oh, j'ai plus de vie. Ah c'est trop là, c'est trop, il y a trop de monde. Eh ben c'était pas si nul, j'ai l'impression que tu chopes le truc. Voilà, j'ai pu poser des pièges. Bon, de toute façon maintenant, là c'est mort, j'ai tout utilisé. J'aurais bien aimé en poser un autre, mais bon je peux pas. Putain, c'est quoi ça encore? Bon, lui, peut-être l'arme de feu qu'il va falloir utiliser. Oh non, mais le monde, sans déconner. Oh là, ils ont complètement abusé. Et ça ralentit pas un bras, hein. Heureusement d'ailleurs. Ah, c'est vrai que j'y pense pas, ce coup de pied sauté aussi. Oh là là là, putain, je suis en train de ramasser grave là. Oh putain. Oh, je pense à augmenter mon... Oh non. Ok. Ça va, je peux reprendre.
t'en restant 50 secondes. On va faire dégager tout le monde là. Non mais les mecs c'est des gros malades là. Faut que je chope celui qui est en glace là. Ah non mais là c'est trop le bordel. Ah putain, vous avez vu le machin, il balance ses trucs de glace là. Il est là. Oh comment je l'ai envoyé péter. Souffleur en approche. Bah oui je comprends bien ma bonne dame. Mais là je suis dans la merde. Allez, 8 secondes. Oh ouais, non, mais là, ils arrivent tous, là, putain, je vais pas y arriver. Bah oui, mais bon. Oh non, ils sont dessus. Putain, je crois que j'avais perdu. Ouh. Oh putain. Ah là, c'était un vrai bordel. Un vrai de vrai, là. Bon bah ça va, bonne action quand même, hein. Bonne action. Ouais, pas mal. Bon, t'aurais pu mieux faire. Mais merde, putain, j'ai coupé le truc en plein milieu. Alors, frappe sismique, brûle bébé, espace privé. Tu me diras si ces rushs ont bien marché pour toi. Écoutez, je vais essayer de voir comment je peux équiper ça. Alors, les rushs, ils sont là. Ok, ça c'est bon. Crash piqué. Bah, je suis plein là, hein. De toute façon, je peux pas faire grand chose de plus. Hein. Bah non, non. J'ai tout qui est équipé là, en fait. Niveau 1. Ah oui, c'est vrai que j'avais des badges aussi. Putain, c'est quoi tout ça? Verrouillé. Ah oui, d'accord, ceux qui sont en vert, en fait, je peux les déverrouiller. Ils auraient pu faire changer les pastilles de couleur une fois que vous appartenez au truc, parce que là, du coup, on se paume un peu. Je vois que les verts, en fait, c'est ceux que je peux déverrouiller. Tu as 0 badge. Ah putain, il y a un paquet de trucs. Hein. Et le pire, c'est que je peux encore descendre en bas. Vous avez vu, il y a le style. Eh ouais. En plus, il me reste qu'un badge. J'ai tout qui est verrouillé. Putain. Bon là du coup je me suis un peu paumé. Attendez, putain pourquoi j'ai changé ça là? Ça y est, je suis complètement paumé là. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Ah non mais c'est trop là. Ah on peut même augmenter la capacité des pièges et tout quoi. En fait il y a vraiment tout hein. Ouais, ça va faire vraiment une chier de trucs à augmenter en fait. Bon, celui-là, je peux pas le. Mais pourquoi je peux pas le mettre dessus sur celui-là? Eh ben voilà. Eh ben putain. Il y a ce vieux type là, Walter, je crois. Il s'est pointé et il a dit qu'il te connaissait. Alors, je lui ai filé l'hélice. Quoi? Il avait l'air bien vénère. Ouais, ça ressemble à Walter. Dis, bien essayé avec l'hélice. Mais t'as tout foiré. Rejoins-moi sur le pont routier. Ah, putain. Alors, attendez, c'est où 355 000... Ah putain, il faut que je retourne là-bas. Putain. Ah putain, je peux tirer sur les avions aussi? J'ai vu une cible rouge qui se mettait dessus.
Ah, s'il commence à venir dans l'air aussi, là, je sens que ça va être compliqué. Quoique, c'est vrai qu'au début, si je me souviens bien, dans la trouille, on voyait des trucs volants, là, qui enlevaient des gens, je crois. Oups, là, il passe à travers les poteaux. Sur RB pour accéder sur les wallruns. Ah ok, d'accord. Il y a du monde là. Mais non putain, que je prenne la bonne arme. Elle s'énerve toute seule la meuf. Voilà, j'y suis. Faudrait pas que je me rebloque. C'est vrai que j'ai eu un sacré bug ici. Je me suis cassé le cul pour réparer ce truc. Et toi comme ça, dans mon dos, tu fabriques une nouvelle hélice. T'essaies de me chourer mon planeur? Non, pas du tout, je... Mais tu vois pas que je déconne? Regarde, je souris. C'est une super hélice. On est presque prêt à s'envoler. Le seul souci, c'est qu'il y a quelques minutes, des scabs ont trouvé le planeur. Je les ai virés, mais ils ont piqué mon gouvernail. Un gouvernail? Ça sent le pipeau. Et si tu trouvais plutôt un moyen de le récupérer? Et vite! Les scabs vont pas tarder. Je t'attends ici. J'ai vu les scabs aller vers l'amphithéâtre, près du fond de mer. Oh mais non, putain, faut que je retourne de l'autre côté, putain. Il m'emmerde ce vieux, il m'emmerde. Ouais, pareil, là, il n'y a plus personne. Alors, autant, juste avant, j'ai eu des vagues, mais de ouf. J'aurais pu ramasser la petite enseigne, là, mais bon. Ah non, c'est juste là, je crois que c'était de l'autre côté de la flotte. C'est bon, allez. Il y a ce gang de scab. Où est passé ce foutu gouvernail? Voilà le gouvernail. Enfin, je crois. Ouais, je pouvais pas le louper, là. Walter, avant qu'il me fasse une attaque. Ou un autre truc chelou, dégueu de vieux. Il est con. Je pense que le jeu, ouais, va peut-être moins lasser grâce à ces dialogues qui sont quand même assez rigolos, quoi. Walter, ça va? Je t'avais dit qu'il reviendrait. Ramène-toi et aide-moi à les repousser. Putain, je sais pas pourquoi je passe toujours par là, parce que je sais très bien que par là, je m'enfonce dans une connerie. Oh là, putain. Bon, faut que je remonte là-haut. Hein. Ah, il veut pas. Hein. Encore quelques-uns. Ah ok, on peut pas rebondir là-dessus. Continue de tirer. Allez, me voilà. Oh putain! Alors ça c'était nul hein! Pourquoi ils sont aussi méchants? Putain, ils font mal eux! Faudrait me filer un peu de vie là parce que. Bordel! Voilà, ça au moins c'est efficace. C'est bien, ça m'augmente ma puissance. Saloperie. Je dois certainement avoir un truc à monter qui me permet de gagner plus de points quand je fais ça. Allez. Putain, mais je vais monter là-haut, là, putain.
Allez. Le cri de merde qu'il a poussé le type. C'est qui ces types? Des agents de fiscaux. Des robots de sécurité automatique. Il faut respecter la quarantaine. Tu parles, c'est des tueurs à gages, ouais? Débarrasse-t'en. Tiens, t'as bien m'équipé là. Ah, ils ont l'air chauds, eux. Putain, ils m'en ont foutu partout. Ah non. Putain, c'est vachement limité quand même. Je vais essayer avec ça. Oh putain. Et pourquoi elle se barre là-bas la boule de boulimie? Oh là là, je me suis mis dans une merde encore. Je l'ai même pas tué quoi. 9500 balles ça m'a coûté cette arme. Oh non. Ah oui, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. C'est qui ces types? Des agents de fiscaux. Des robots de sécurité automatique. Il faut respecter la quarantaine. Tu parles, c'est des tueurs à gages, ouais? Ah non, mais cette arme en fait j'aurais jamais dû acheter ça. On pourra jamais lancer le planeur. Ah mais il est gentil là. J'ai que des armes de merde. Ça, ça touche quand ça veut. Vous avez vu comment il dévie la boule? Putain, ça fait n'importe quoi. Putain, il va encore me tuer. Non, mais non, ça y est, je vais crever encore. Oh non, putain, je suis mauvais. Bon, bah écoutez, je vais changer d'arme parce que ce truc-là, ça me va pas du tout. Ah, cabine téléphonique. Les agents de fiscaux. Des robots de sécurité automatique. Il faut respecter la quarantaine. Tu parles, c'est des tueurs à gages, ouais? Débarrasse-t'en! Ben j'essaie. Je vais lancer le planeur. Ah ouais, c'est ça le truc ici. Oh là 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 là, putain, mais ils sont trop là! Non mais c'est pas vrai putain, le mec il est à 5 cm de moi, j'arrive à le louper quoi. Parce qu'en fait avec l'ours il faut vraiment le toucher lui. Parce que si l'ours tombe à côté en fait il explose pas. C'est pas vrai, je vais encore crever. Non. Oh putain, j'ai cru que j'étais mort. Ah mais là il me faut de la vie là. Là il me faut de la vie. Il me faut de la vie très vite. Allez, je vais leur faire le tour. Pas sûr que ça leur fasse grand chose ça. Non, je suis pas sûr. Bon ouais, ma vie est pleine, je vais m'approcher un peu. Ça sera peut-être plus simple. Ah bah oui voilà, c'est nettement mieux. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, mais en plus il meurt pas en plus ça. Ils sont dangereux eux. Vache putain. Je suis en train de me faire dérouiller. Ah c'est bon, je l'ai eu. Le planeur est prêt. Il va m'emmener faire un petit tour de planeur, je le sens là. Reviens ici, mine-toi. Eh mais il va me parler autrement lui. Il est fou ce type. Vers la distillerie. On utilisera les courants chauds de la cheminée pour monter un peu. Ok, donc j'ai des missiles. En plus, c'est moi qui manie le truc. Putain, par contre, ça se manie bizarre. Ok, comment on règle l'altitude?
Ouais, comme dans les jeux d'avion. Sympa de me l'avoir dit. Y'a autre chose ? LB, RB, tonneau pour esquiver une attaque. Ok, alors ça putain j'étais à faire gaffe parce qu'à mon avis... Sur ce truc. Ouais bah ça j'ai trouvé déjà. Et je vais où là ? Ah oui là-bas. Ah, la jouabilité elle est un peu bizarre ce truc hein. Ah putain en plus ça met du temps à recharger. J'aurais peut-être pas volé trop bas comme ça. Oh la vache putain. Ah je me suis bousillé la gueule hein. Je sais pas si on peut récupérer de la vie avec ça en plus. Suis ce truc. C'est quoi ça? C'est un patrouilleur de fiscaux. Il a repéré le planeur et il est en train de demander des renforts. Il va vous éclater si vous essayez de vous échapper maintenant. C'est qui lui? C'est Sam. Et vous êtes dans la merde. On fait quoi Sam? Tu peux pas l'abattre, il a des boucliers. Mais peut-être... Peut-être quoi, Sam? Hein? Oh ouais, excuse-moi, je tweetais. Suis le patrouilleur. Si tu le poursuis jusqu'à ma base, je pourrais y télécharger un virus pour désactiver les boucliers. Mais il va falloir qu'il soit très proche. Et j'ai pas encore codé tout ça. Ok, on va suivre le dirigeable. Et ça se manie pas super bien ce truc. Je vous assure que là, il faut que je prenne certains courants pour pouvoir remonter. Et je suis en train de tous les louper. Je sais même pas ce que c'est que ces balles. Oh putain! Ça vient ce virus! Oh, me parle pas pendant que je code! Je tuerai pour un donut, un bon donut pour m'aider à réfléchir, fourré avec une bonne crème pâtissière. Oh la vache! Putain, ils m'ont largué une chier de mine, hein, surtout qu'en plus les missiles, je peux pas les tirer d'affilée. Enfin, si je les tire comme un bourrin, je suis couillonné quoi. Oh la vache! Et bah, je fais ce que je peux là. Bon, c'est bien qu'ils aient rajouté des phases de jeu différentes, mais par contre, je vous dis, au niveau jouabilité, bon, c'est peut-être un peu voulu pour rendre le truc un peu plus difficile. Mais on a l'impression qu'on peut pas monter en hauteur quoi, c'est assez bizarre. Regardez, je me prends les murs et tout. Ah ouais, mais là au niveau des mines, il a abusé quoi, le nombre de mines qu'il m'a mis. Ouais, non, les badges, on verra après. Oh putain. Oh, oh la vache. On est presque arrivé, Sam. Le virus est prêt? Ouais. Enfin, non. Enfin, je sais pas. Enfin, je crois que oui. Les seuls virus que j'ai codés, c'était contre les sites gouvernementaux. J'ai jamais fait un truc comme ça. Oh putain de merde. Je sais pas ce que c'est que ces ballons verts là. En tout cas, je me fais tirer dessus, mais un truc de malade. Attends une seconde que je recharge le lance-missile. Oh non! Oh non, je me suis pris la mine dans la gueule. Ah oh, putain, s'il me faut reprendre du début. Je transfère le virus. Allez, priez les dieux du C++, les gars. Ah ouais, ça marchait? Les boucliers ont disparu. C'est quoi ce bordel? Ah ouais d'accord, je peux le tirer dessus maintenant. Ah ouais, j'ai dû passer le checkpoint juste à temps, je sais pas. Ouais bon, ça va encore, il est bien gros, je pourrais pas le louper, mais moi ce qui est emmerdant c'est les mines. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, on a réussi. Va vers la centrale électrique. Il nous faut un dernier coup de boost pour franchir les murs. La prochaine fois, évite de me filer des palpitations, merde, c'est vrai quoi! Et sinon, merci. Pas de problème. Mais m'oublie pas. Enfin, nous oublie pas. Je sais pas s'ils servent. Oh merde, putain! Ah non, là j'ai un merde! Putain, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, putain. J'étais en train d'essayer les boutons. Je me suis dit, il y a peut-être un truc qui sert, j'ai fait des roulades. Mais n'importe quoi, putain. Je suis complètement con. Hein. Bien, il me remet jamais au même endroit quand je réapparais, par contre c'est assez bizarre.
Je vais prendre leur courant à la con. Bah, peut-être pas que je vole trop bas parce que sinon je risque encore m'écraser sur un mur. Ah non, je crois que c'était un mec qui passait sur le truc, c'était une paire de chaussures en fait. Ah bah le courant ascendant. Papy, adieu. Ils sont pas prêts de se barrer, hein, je vous le dis. Tu vas nous manquer. Sacré fils de pute. Oh putain. Je suis désolé, Floyd. J'aurais tellement voulu le sauver. Si tu veux lui faire honneur, faut que tu restes toi-même. Continue ta route de ouf. Ça marche? Ouais. Hey, Walter m'avait parlé d'un gars, un certain Brill Krim. Il disait que c'était un putain de génie. Si tu trouves ce mec, je parie qu'il saura comment on peut se tirer de cette ville. Brill Krim? C'est quoi ce nom merdique? Le genre de nom qu'on n'oublie pas. Enfin bref, d'après Walter, il y avait un signal radio qui venait d'un musée japonais dans le coin. C'est peut-être lui. Tu devrais aller voir. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je sais pas si je continue à faire des vidéos sur ce jeu. Je verrai si j'ai le temps ou pas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.